Bien, merci. Donc, je dois dire que c'est la première visite à Dieu que j'ai fait. Et j'ai commencé par la plateforme religieuse. Cet après-midi, je verrai le médiateur. Je vais continuer comme ça jusqu'à la veille de mon départ pour consacrer la 2018 au président de la République. Je voudrais tout d'abord remercier la plateforme religieuse pour l'excellent travail qu'elle fait au service de la cohésion sociale dans ce pays, par ses différentes tournées, par ses plaidoyers pour contribuer à la paix des cœurs, à la paix des esprits, en transmettant le message de Dieu, message de miséricorde, message de paix aussi. Je pense que leur message est très puissant, écouté par les populations, et nous voyons l'impact nous-mêmes sur le terrain. Donc je suis venu le réitérer, le soutien de la mission des Nations Unies, leur dire toute ma satisfaction pour avoir collaboré avec eux durant ces trois dernières années, dans des conditions, c'est vrai, difficiles, mais nous avons réussi beaucoup de choses, à relever beaucoup de défis ensemble. Il y a encore d'autres défis qu'il nous faut ensemble relever, nous en avons parlé aussi. Ils vont entreprendre à partir de lundi une tournée avec notre appui, et je sais que la plateforme mérite d'être fortement soutenue par le gouvernement, par les Nations Unies et par les autres partenaires. Donc j'ai pris l'engagement de le faire, et je suis sûr que Mme Valentine, qui va me succéder à partir du début avril, aussi s'inscrira dans la perspective. Donc j'étais venu de transmettre ce message, de dire ma satisfaction et de dire qu'ils doivent continuer à faire ce qu'ils font collectivement, parce qu'ensemble déjà c'est un message fort au niveau des populations, que ce soit ensemble. Il ne faut pas qu'on revienne à des vieux démons. Ce pays a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles. On n'a pas besoin d'une guerre de religion dans ce pays. Puis toutes les religions, c'est des religions divines, de Dieu. Monothéiste, je pense que c'est très important aussi de le signaler. Et ce message, il faut absolument l'amplifier. Et en tant que Nations Unies aussi, nous allons continuer à travailler avec eux et à les soutenir le maximum que nous puissions faire. Voilà ce que je voulais leur dire, en les remerciant encore une fois de cette parfaite collaboration qu'ils ont eue avec la mission. Excellent.